Bienvenue à Courtelary, village blotti au cœur du vallon de Saint-Imier, de près de 1300 habitants, traversé par la Suze, situé à quelques 20 km des métropoles horlogères de Bienne et de La Chaux-de-Fonds. La zone industrielle à la sortie est de la localité est en pleine expansion. Économiquement parlant, Courtelary dépend évidemment en grande partie de son entreprise phare, les chocolats Camille Bloch, fondée en 1929 à Berne et dont on a fêté l'anniversaire en 2010 sous le label Chocolat Camille Bloch et Courtelary, une histoire qui dure depuis 75 ans, concrétisée par deux journées portes ouvertes au cours desquelles ont été accueillis quelque 11 000 visiteurs. Deux banques et une trentaine de commerces et entreprises complètent le tissu économique de la localité, bien doté en outre en services avec deux cabinets médicaux, un cabinet dentaire, deux instituts de physiothérapie, ainsi qu'une étude d'avocat et de notaire. Une école primaire et secondaire accueille toute la gent écolière, une école enfantine, les enfants en âge préscolaire et une crèche pour la petite enfance. La vie associative, riche d'une quinzaine de sociétés culturelles et sportives, permet à tout un chacun de se distraire à loisir. Les infrastructures sportives, avec places de sport, courts de tennis et terrains de football, complètent le tout. Sans oublier la place d'aviation, très appréciée des adeptes de vol à voile. Enfin, dernier espace culturel en date, la galerie Le Moulin 4, où un peintre de talent expose ses propres œuvres et met également gracieusement à disposition de tout artiste, amateur ou professionnel, un espace pour y présenter des œuvres de sa création. Le patrimoine architectural et historique de Courtelary n'est pas à négliger non plus. Le temple, tout d'abord, perché sur sa colline, orné de fresques médiévales dont la première construction remonte vraisemblablement au Xe siècle, mérite le détour. Tout comme la préfecture, datant de 1606, ancienne résidence des princes-évêques et baillis d'Erguel, élevée au rang de préfecture du Jura bernois dès le 1er janvier 2010. Le collège, enfin, dont on a fêté le 100e anniversaire en 2008, impressionnant édifice à caractère monumental, d'esprit Heimatstil, connu loin à la ronde. Et puis, il faut encore parler du pont de bois qui, bien que datant des années 1930 seulement, figure au patrimoine architectural de la commune. Il est vrai également qu'il a toujours constitué un lieu privilégié pour quantité d'amoureux d'un soir ou d'une nuit et que, à ce titre, tel le pont des soupirs, il a vu naître nombre d'amours éphémères ou éternels. On accède facilement à Courtelary, tant par la route que par le rail, puisque les trains directs y font halte. Voilà en substance quelques aspects attachants de notre localité que le visiteur découvrira au gré d'une balade à travers ses rues, un village où il fait bon vivre et dont un ancien maire, poète à ses heures, a dit un jour qu'il n'en existe pas deux.